Les 3, 4, 5 novembre 2018 à Kaolack, s'est tenu le deuxième salon africain des langues et cultures. Pendant 3 jours, universitaires, étudiants, slameurs, linguistes, artistes ont échangé sur le thème « Plaidoyer pour la diversité linguistique et culturelle, moteur de paix, de concorde et de développement durable en Afrique ». Madame la directrice du Centre culturel régional, représentant Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, son éminence, Monsieur Babacar Niang, donc adjoint du porte-parole du Khalife général des Niassène, Monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, Babacar Baba Ndiaye, chers partenaires financiers et techniques, et Monsieur le professeur Ibrahim Assar de l'université Gaston Berger. Il y a aussi notre ami Monsieur Wan, Abdoul Wan, donc, qui représente le comité scientifique qui a travaillé à l'élaboration donc, des TDR donc, de ce salon. Vous tous, chers invités, soyez les bienvenus. La tenue de ce salon africain des langues et cultures dans cette ville de Kaolack n'est pas un fait du hasard. Choix opportun parce qu'en effet, capitale régionale, elle polarise tous les axes routiers, est, ouest, nord et sud du Sénégal. Donc une ville multipote, melting pot par excellence, multilangue et multiculturelle. Le Salon africain des langues et cultures, c'est un concept itinérant d'abord, donc qui peut s'organiser dans toutes les régions du Sénégal. Voilà, c'est d'une part. D'autre part, Kaolack aussi, c'est un carrefour culturel et linguistique. Donc, c'est un vivier extrêmement important. Donc, des cultures et des ethnies très représentatives donc, du tissu social sénégalais. Kaolack, dans le passé, a été aussi un foyer économique très dynamique pour ceux qui connaissent l'histoire du Sénégal. Voilà ce qui justifie, en fait, la deuxième édition. Donc, de pouvoir se tenir à Kaolack. Que langue nationale est intégrée dans l'éducation, moi je me dis que c'est une bonne chose. Parce que peut-être que l'enfant, ce qu'il djangal, bala mo maîtriser la langue française, tay boko ko djangalon ci langue maternelle, ci la koy gëna gaawa maîtriser. Biñ ci waxtané, mané ko lolo effectivement luñu wara accompagner la, té que
képp ko xamantene yaangi fi nek sénégalais aussi képp kuy africain sax la wara wax dang ko wara djew accompagner salon bi aussi def ci li nga xamantene mom nga ci wara def parce que importance bi mu am ak objectif bi suñu ndariñ la ñun ñepp lolu ñu ko ci sante diko ci gëreum demb bi may waxtaan ak gouverneur aussi lima wax moy comme nim ko waxe dafa am yoon bu ko bet mais bëggon na ñew parce que mom aussi la première chose bi mu remarquer moy importance bi nga xamantene mom la salon bi am salon bi ça va se tenir sur 3 jours et que dinañ accompagner sur les 3 jours parce que aussi li ci ëpp importance moy les panels néna xamna j'ai vu des sujets yo xamantene dafa am ben importance capitale bo xamantene képp kuy kawla quoi war nga mëna ñëw nga fekk ci panel bobu nga xamné di nga am leneen lo ci jangat lima ko li ka wax nak Kaolack fogg na ni diversité linguistique tay ji buñ koy wax ci Kaolack ñepp xam nañ ni Kaolack vir carrefour la ñepp fi lañuy tassé langue yépp mi ngi fi communauté yépp am nañ fi seen représentant je pense que choix bi nga def vraiment c'est un choix vraiment à saluer Je voudrais d'abord dire un grand merci aux organisateurs et particulièrement à Mouché Dien, coordonnateur de ce salon, un homme d'une grande générosité intellectuelle qui a bien voulu nous associer étroitement à ce salon dès les premiers pas de l'organisation. Ce fut alors un immense plaisir pour moi de porter ce projet auprès de mes collègues qui n'ont pas eu de difficultés à comprendre sa pertinence pour nous formateurs d'abord, ensuite pour les étudiants que nous formons, d'autant plus qu'il s'inscrit en droite ligne avec le programme de formation que la section langues et cultures africaines offre au public. Je voudrais également saluer la présence de l'université. Elle est importante dans des cérémonies de ce genre. Parce que c'est un laboratoire de connaissances et de richesses. Et la communication qu'a fait faire M. Touré est une conférence inaugurale de ce bel salon de langue et culture, en nous parlant non seulement des différences, mais également de ce que l'Université de Saint-Louis est en train de faire pour la promotion de cette langue, mais pour produire des hommes compétents qui ont des aptitudes à pouvoir parler de la langue, mais également à pouvoir parler de la culture. La langue, elle est importante parce qu'elle est le fondement de la culture. Sans une maîtrise de la langue, c'est les valeurs culturelles qui disparaissent en même temps. Donc, sans une langue reconnue, on n'a plus de culture. Et lorsqu'une personne n'a plus de culture, il devient un animal parce qu'il n'a plus de base juridique réelle sur laquelle il devrait pouvoir faire sa vie. La vie est faite de diversité. Ceux qui acceptent la diversité sont ceux qui sont courageux, ceux qui sont conscients que le monde est planétaire et que chaque ethnie, chaque culture, chaque langue renforce des richesses et qu'il va falloir partager. Il faut que j'accepte que l'arabe a des valeurs et des cultures, que le wolof est une langue riche, que le djola est une langue importante, que le portugais est une langue importante, que le français est une langue universelle, entre autres. Si je ne reconnais pas la valeur de la langue, je ne pourrai pas bénéficier des richesses, parce que la langue est à la fois un instrument de transmission de connaissances, mais également garant des valeurs culturelles d'une ethnie, d'une tribu ou d'un pays. C'est pour cette raison que je voudrais dire que cette rencontre elle est doublement importante pour nous, et en tant que groupe local représentant la population, nous ne pouvions pas ne pas ignorer cette belle manifestation que M. Guin a bien voulu amener ici à Kaolack. C'est cette responsabilité que nous avons de vouloir porter ici des territoires viables et pour le développement. Dans une région ou dans une ville qui habite des foyers de connaissances. Parce que ce n'est pas parce que la personne ne parle pas le français qu'il est analphabète ou qu'il n'a pas de connaissances. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas le portugais ou l'anglais. Mais c'est parce que c'est à chaque fois que la personne est dans une entité, dans un territoire, il y a des richesses qui ne peuvent être drainées que par la langue et la culture. Cela, ce sont des connaissances qu'il va falloir partager dans un monde planétaire pour être riche. Ceux qui arrivent de façon intelligente à connaître les valeurs des uns et des autres, à les approprier, à les utiliser dans la vie quotidienne, sont des gens qui deviennent universellement des hommes du monde, mais des hommes incontournables également dans ce qui se fait de bien dans le monde. Venu participer à la cérémonie d'ouverture du salon,
la troupe de théâtre de l'Arcos de Kaolack a présenté à l'audience une pièce de théâtre sur le thème de la diversité linguistique. Le salon, c'est un salon des langues et cultures, mais aussi c'est un salon qui est de l'éducation. Donc la problématique de l'éducation dans nos pays africains est aussi prise en compte par le salon. Voilà. Donc c'est l'occasion de magnifier l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale à travers le Centre national de recherche éducationnelle, donc, qui est notre partenaire institutionnel, qui accompagne tout le processus scientifique. Donc d'élaboration des termes de référence du salon. Voilà. Donc c'est pour dire que les autorités administratives accordent un intérêt particulier à ce projet, voilà, qui est soutenu. Donc c'est langue, c'est culture, c'est éducation, c'est livre. Et c'est pourquoi le salon invite dans son activité tous les éditeurs, tous les poètes, les écrivains, voilà, les intellectuels en tout cas, qui utilisent nos langues nationales, ou bien qui utilisent d'autres langues, comme le français, de pouvoir se rencontrer dans un espace, de pouvoir faire des expositions, montrer leurs produits, et faire valoir ces produits-là, les partager avec un public, diversifié. Voilà. Donc c'est pourquoi le Salon africain des langues et cultures, C'est un événement majeur en Afrique parce qu'il y a des salons qui se tiennent un peu partout en Afrique, mais c'est des salons axés sur le livre. Le Salon africain des langues et cultures est le premier salon africain qui travaille sur l'éducation, et sur les langues et sur les cultures. Voilà. Donc c'est pourquoi l'OIF a accordé un intérêt très particulier à notre démarche. Et c'est pourquoi aussi d'autres partenaires aujourd'hui, comme l'UGB, donc il y a un département langues et cultures africaines, donc s'intéresse au contenu de ce salon-là. Et l'UGB, que nous remercions au passage à travers le professeur Ibrahim Sarr, soutient activement et participe à chaque édition pour prendre en charge le volet, l'aspect scientifique du salon. Il faut dire que ce salon, nous l'avons attendu depuis longtemps. Nous n'avions pas pu participer à la première édition qui s'était tenue à Dakar, parce que les agendas ne correspondaient pas, si bien que cette fois-ci, pour la deuxième édition, dès que Karel Dien m'a appelé pour m'en parler, je lui ai dit là, nous avons suffisamment de temps pour pouvoir saisir nos autorités universitaires et demander un appui pour notre participation, ce que nous n'avons pas eu du mal à leur faire comprendre, justement parce que ce salon-là embrassait les préoccupations qui sont les nôtres dans la formation que nous offrons au public sénégalais, c'est-à-dire les langues et les cultures du monde et les langues et les cultures africaines de façon particulière. Les préoccupations du salon sont les nôtres, donc nous ne pouvions pas rater une pareille occasion. Je viens d'un archipel de quatre îles situé entre Madagascar et la côte est de l'Afrique. Je viens de là pour les marchands d'esclaves et les voyages de navires pétroliers afin de nourrir une population métisse. Des Arabes, des Chiras, des Bantous et même des Portugais. Je viens de là où tes amis sont tes cousins, tes cousins sont tes frères et ta tante, tu es votre mère. Donc je viens des îles de la Lune, je viens des îles au parfum, je viens des îles de la Lune. Bonjour. Le collectif d'Al Salam a magnifié par la présence de ses membres le salon avec de belles prestations de salam. Manam, il faut que tout le monde sache que nous sommes salamers au Sénégal. Il y a des gens qui sont de Kandar, qui sont de Kandar, nga xamni fofu lañu jëgé amna ño xamni ñi ngi dëkk ci ess amna ño xamni ñi ngi dëkk fenen fu gëna sori
Donc c'est ce que Dalal Slam. Qui est ce que vous voyez maintenant, c'est qui est Rahim, qui est Comore. Il est un étudiant, il est ici au Sénégal, donc il est ici. Quelqu'un qui est aussi Gabon, le Dieu, Gabonais. Donc nous sommes tous les Islamers, nous sommes tous les ateliers partout partout au Sénégal. Donc nous remercions Tonton Karel beaucoup. Si liguey bu nga xamni liguey bu rafet bi nga xamni mu ngoy def ñu fassé né and ak yeen nak tay si ngone suba ba gëna suba inshallah si yeneen spectacle yu gëna xewale jaje merci jerejo xaliss bi reusna jeunesse bi seusna beusel sa xol ci tistis rew mi yow mi bëgg baax del def lu baax ngay wax lu baax bayyi li ngay daax togal ni faax ngay lek laax ndax moy suñu mbax. Sa xaar ci pos diisul waye man albafta la won manam ngandam daga samba juddo dekk bu ñaan dangal ma bay daan ma ye faja rak sata lamja ma japp ba sel julli tok tim kamil ba sa ndey di sokku dugu bam je sa rak ju jigen je xujja gardu panam ba te ñem ba lagu yoonu ten ba tanan ma modu gawal yen ma. Voilà, c'est la deuxième édition du Salon africain des langues et cultures. Et comme vous venez de le dire, le livre est un bon véhicule quand même de la culture, des peuples, mais aussi un bon véhicule de la langue. Parce que le livre quand même nous permet de fixer dans le temps des caractères, l'histoire des peuples et des personnes. Le livre nous permet de fixer dans le temps l'existence d'une langue. Donc, à partir de là, on peut dire que c'est un bon véhicule parce qu'il parvient à résister au temps. Donc, il y a beaucoup de langues qui ne se pratiquent plus dans le monde. Ces peuples-là ont disparu parce qu'il n'y a plus de locuteurs de ces langues-là. Mais on peut retrouver les traces de ces langues à travers l'histoire, à travers des fouilles archéologiques, à travers des œuvres qui ont été découvertes. Donc, ils sont consignés dans des papyrus, par exemple, ils sont consignés dans des documents. Et à travers les études qu'on a faites, on sait qu'à tel siècle, un certain peuple pratiquait quand même ces langues-là. Donc, de ce fait, écrire, transcrire une langue dans un livre sur du papier, c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu de conservation, c'est un enjeu de pérennisation, c'est un enjeu de survie même, j'allais dire, d'un peuple, c'est un enjeu de survie d'une langue. Parce qu'un peuple ne survit qu'à travers sa langue. Si une langue disparaît, s'il n'y a plus de locuteur d'une langue, ce peuple-là n'existe plus. Donc, pour conserver les peuples, il faut conserver les locuteurs, il faut conserver l'expression de la langue des peuples-là. Donc, à partir de là, on ne peut qu'encourager ceux qui s'activent dans l'écriture des langues nationales. On ne cessera jamais de le dire, c'est un enjeu fondamental, surtout dans ce 21e siècle-là, qui est un siècle quand même assez globalisant, c'est un siècle suffisamment ouvert pour qu'on ne se puisse pas permettre de jouer à mettre nos langues nationales, à minoriser nos langues nationales au détriment des langues étrangères. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut donner plus d'impact, plus de puissance, plus d'importance à nos langues nationales pour pouvoir conserver ce peuple-là qui parle ces langues-là parce que c'est important. Yaay sama soppé ginnaw ba nga nek sama docteur bima fa té ñun ni fay dañe yépp loolu dafa dajé won ci ñun ñun ku ci né xamoon nga ni téré muy livre bi moy sa soppé moy sa xarit té moy sa docteur bi lay fa dafa am benn bis benn xalé dajé man né ma tonto bu taa so doppu jigen bi lan mo tax mo da nga jàng ci plan mané ko ñun dañuy ruy ay livre bi ko naan ah dañ koy ruy li ko naan. Parce que je me suis dit que je suis sorti. Et je me suis dit que je suis sorti de mon livre parce que je suis lire mon livre. Je me suis dit que je suis sorti de mon livre. Je me suis dit que je suis sorti de mon livre. Comme Michel l'a dit, je suis sorti de mon livre. 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 Té bénn borom xam xam dafa né téré ñu da ko bind ci aduna mo ñëral bind guñu kon téré yi xamé ni ka ñoo nekk ci dënd yi lañu bëggoon mu gënd waye nan lay gënné ci ñun ñi nga xamé ni ka xol xol bu wayam lañu mën
té tuba bi nak wax deug yalla dañu téla daax té daax mo ñëk mo jàbale yi xamé ni bo amul alcorane ci yéne daax bo la ñu daato wayé damay wax ni libre téral nañu téral na képp ko xamné membre vendre du libre nga tax téra nga paté mu li il y a lieu de faire aujourd'hui c'est de pousser les gens à la lecture mais ça on ne peut pas le dire en disant aux gens continuez à lire parce que la lecture est importante. C'est au gouvernement, c'est aux gens qui aiment le livre comme nous, c'est au milieu scolaire, c'est aux bibliothécaires, hein? C'est au centre culturel, c'est à tous ces responsables de la chaîne de valeur de la lecture de trouver des idées innovantes, d'improviser, de mettre en place des projets qui puissent amener le livre jusqu'à la maison, dans les quartiers, dans les rues. De casser cette barrière intellectuelle en se disant que voilà, le livre c'est pour les universitaires, c'est pour ceux qui ont fréquenté l'école, c'est pour ceux qui ont accès à des bibliothèques, etc. Non, il faut trouver autre chose, c'est-à-dire il faut marquer une rupture et aller dans des projets innovants, quoi. Maintenant, tout en se disant que les gens n'ont pas la même sensation, il y a certains qui préfèrent un livre physique comme moi, par exemple, je préfère avoir un livre physique, de le tenir entre mes mains, de le tourner, de le retourner, de le lire, de le relire. C'est plus pratique, quoi. Je le sens, je sens le papier, l'odeur du papier, voilà. Je le caresse même, des fois. C'est mon amour pour les livres. Maintenant, il m'est très difficile, j'avoue, de lire un livre en format électronique. Très difficile. Je ne sais pas ce qu'il explique, mais il y a des gens qui sont comme moi, voilà, qui n'arrivent pas. Moi, je termine rarement les livres version électronique. Mais un livre en version physique, je le termine rapidement. Peut-être que c'est un décalage par rapport à ma génération et à la nouvelle génération. Je sais que la nouvelle génération vont te dire le contraire, beaucoup d'entre eux. Maintenant, il faut s'adapter, aller vers eux, parce que c'est eux qui représentent le futur. Maintenant, dans cette adaptation-là, les pousser à aimer encore davantage le livre. En créant des cercles de discussion autour d'un livre, des panels de discussion, des rubriques de discussion, de les intéresser à la lecture, mais aussi à l'expression. À donner leur sentiment, leur avis par rapport à un livre. Parce que la lecture ne se limite pas à lire un livre, mais c'est un dialogue d'abord avec l'auteur, mais aussi un dialogue avec son monde, avec ses voisins, avec son entourage, etc. Il faut leur donner ces possibilités-là. Quand il lit un livre, il sait qu'il va en discuter. Ça le pousse à... C'est une motivation, je veux dire. On va discuter de ce livre au vendeur du livre. Donc voilà le livre, tu peux l'acquérir ici, 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 il va le chercher et le lire. Et venir assister au panel, prendre la parole, donner son avis. Je pense qu'en Afrique déjà, l'oralité était là, déjà présent. Et dans ce salon africain des langues et cultures, le slam a bel et bien sa place ici, parce que se faisant dans toutes les langues, vous avez vu hier lors du panel des slams, des clams, des textes, dans toutes les langues, que ce soit en Bambara avec Jodashkala, en Wolof avec Djourin, aussi en anglais et en français. Donc, je dis que c'est une évidence que le slam a sa place dans le salon. Un panel sur le slam de ses origines à maintenant, présenté par Mademoiselle Fatou Diawo et Monsieur Hamza. Donc, on va juste faire un exposé, un panel, sinon on partage, n'est-ce pas? On va partager sur le slam, concept évolution au Sénégal. Et on va juste attendre aussi de vous donc des suggestions, mais aussi des questions. Ça va être en fait un partage entre nous. Le feedback va passer. Quoi. Donc pour la première partie, donc, je vais laisser à Fatou Diawo. Elle va commencer. Et après aussi, je vais continuer avec la deuxième partie. Merci Hamza. Bonjour tout le monde. Bonjour Eugénien, le coordinateur de ce salon, chers professeurs, chers étudiants, chers invités et mes chers slameurs également. Je vous dis bonjour à tout le monde et je vous remercie d'être là. Je remercie également Eugénien pour cette belle initiative et de m'avoir associé à cette deuxième édition du Salon africain, des langues et cultures. Et c'est vraiment un honneur pour moi, en tant que linguiste, d'être là aujourd'hui. Parce qu'on ne voit pas ce genre d'événement très souvent. Et je vous en remercie vraiment. Je vais commencer par l'historique. Du point de vue historique,
le slam a vu le jour par l'initiative appartenante d'un poète ouvrier américain du nom de Mark Smith dans les années 80. En effet, ce dernier a eu l'idée de partager ses textes de vive voix, d'abord dans des bars. C'est de là que le train a pris départ. Ensuite, il était question d'organiser des scènes de slam, des compétitions et des et de multiplier pour favoriser la propagation de ce dernier. Gubadi mana jikamar gaya jikam macam anda kemudian jodoh ke yoli no, fahamnya lah di gandal habar modal lagu selamona tinggal kerum bindul, uli dawul fajita ke kirdul, sepuluh no di ya sepuluh no to, sepuluh no di ya sepuluh no to, Allah wali mahal pular pulumi mahal pular di mudi udah hal pular di mukoya atunda, pular ke gandalam, fenini gandalam, hayo yang en malam. Lenyalam jingganam ento di mara gawri kande de ko do de kawri cheedu numbundi yam beeli gese pare mali cheen fudu tor leedi weli salam. Voilà, merci beaucoup Fadou. Donc si j'ai dit le slam à l'écrit, c'est vrai que le slam à la base c'est l'écrit, n'est-ce pas? Après aussi l'oral. Donc mais si j'ai dit le slam à l'écrit, c'est parce que je veux dire que depuis un certain temps on remarque aussi une ruée des slams sur le domaine de l'écrit, c'est-à-dire des slameurs donc qui traduisent leurs textes sur des recueils, n'est-ce pas? Des slameurs qui vont donc traduire leurs textes sur des recueils, et on voit l'exemple de certaines anthologies qui ont vu le jour avec maisons d'édition, certaines maisons d'édition autant pour moi comme Maître du jeu et d'autres maisons d'édition. On voit aussi donc La Cause avec 12 slameurs de Dalla Slam dont il y avait Théorine et MTV, Moussa et Rahim. Il y a aussi Hurle Massif, il y a aussi De Crise de Temps. Hurle Massif aussi c'est du collectif Les Pédagogues de la Rue, et De Crise de Temps aussi c'est du collectif Parlons Poésie. Donc vous voyez un peu que c'est tout ça, ce que j'ai cité, donc c'est en fait des anthologies, donc c'est en fait des collectifs de slameurs qui ont fait ces livres. Donc pour montrer juste que en fait, le slam c'est le partage en fait, c'est aussi cette fraternité, cette communauté aussi qu'on voit à chaque fois. Aussi cette amitié qui aussi qui lie les slameurs et qui leur permet en fait de travailler ensemble sur des œuvres qu'ils traduisent et qu'ils sortent pour la bonne lecture aussi de tout un chacun. L'exposé des panélistes a suscité beaucoup d'intérêt dans la salle de l'Alliance française de Kaolack. Slameurs, étudiants, professeurs ont échangé sur le concept du slam et des contributions, des réponses aux questionnements ont été apportées. Par rapport à ça aussi, comme le Gobay Dimi waxé tamit, yakar nañ tamit amna Afrique dafa am ay possibilité yo xamanteni ay mbir yo xamanteni mu ngi fi te mam yo ko fi baye ba légui tamit ñu koy jëfëndiko yakar nañ te yoy mbir yoy tamit ñu ngi ñëpp xam nañ leen comme li démé ni comme pécal le double cerveau téléphone comparaison verbale fa la ci bodo mais aussi amna li ñu wax talif comme ni ko waxé légui ni wala kébeto ba ci tasu yakar nañ yoy yëpp tamit ay xéetu galama yo xamanteni tamit dañ koy jëfëndiko fi ci Sénégal. Ak wala fenen sax juste pour wax direct ni yakar na ni ñun tamit suñu côté muy Afrique wala Sénégal tamit wala muy fenen yakar na tamit am nañ suñu mbir yo xamanteni tamit lepp jëm ci mbirum xalima wala ci kallaama tamit yakar na dañ ci yag fess mais tamit dañ ci yag def liggéey bu am solo bambara basari chola fla abeka kambeka ne samba le wataba wa fo ma ko jona skal. Moi, je prends souvent la ligne 29, qui déjà est un bis pas du tout neuf. Bien vrai qu'il n'est pas lent, le 29 est un véritable serpent blanc. Après une bonne bousculade pour monter à bord, je regarde bien s'il y a une place libre d'abord. Un jour, j'étais assis. C'était mon jour de chance. Bien qu'il dégageait une forte odeur d'essence, le receveur me regardait avec ses yeux de criquet comme pour m'intimer d'acheter un ticket. Tourbé vers la chaise, comme si j'avais mal au ventre. Puis lorsque vous bien, je retournais vers la vitre. Le bus commença alors à se remplir. Je sortis mon livre pour faire semblant de lire, car un vieillard montait. J'avais la bonté de lui céder ma place, mais il me fallait faire vol de face. Des chaînes à mes poignets, des chaînes de 400 ans. 400 ans d'esclavagisme et 150 ans d'impérialisme. Dans son passé, il était déjà dans son futur, portant des blessures muettes et des poids en dessus dur.
mur, ce fut dur. Aujourd'hui, on nous enseigne la civilité par nos propres écritures et nos écrits purs s'obscurcissent par notre propre écriture. Et en fait, de plus de moi, la lumière devient subitement cette terre. Et après, vous êtes en train de choses existent enfin. Par la grâce du Maître suprême, tu deviens ta fin. Mais je me connais, moi. Je l'ai entendu. Crier mon nom et mon prénom SL que j'ai tant attendu. Je ne la vois pas, j'entends sa voix. Pourquoi son corps m'est-il défendu? Après réflexion, je l'ai reconnu. C'est le fruit défendu. Voilà pourquoi je déteste le mot méconnu. Alors je souffre, je cogne, je sonne, mais pour qu'elle souffre. Toc toc au portail de la fille que j'aime, toc toc à la porte de la fille que j'aime. D'abord, moi, je garde. Desmou yalla sak dañ ko wara tek ci war bañu tok mu ko di xaar sa xaar si di rombu gal donc tere to la maté dañ ko fet ñu tok di xaar y'a pas de son métier liguey rek mo dol sur moitié liguey yabon mo di gal desmou yalla sak dañ ko wara tek ci war tani te ko mu lo le na don di dañ ñu jël ñu may do jël sa bo tani te ko mu lo le na don di nga yom jël ñu may do jël sa bo. No me da la ganga, no me da piu. Mira tras o mera, tras o mera, tras o mera, gayu. Tamanare, unde chiure, unde chiure. En chiure. Mira tras o mera, tras o mera, tras o mera, gayu. Tamanare, unde chiure, unde chiure. Merci bien. Merci. Voilà. Merci à tous. Voilà. Merci aussi, Darabia. Il y a une filière bien. L'association du canine Mandiakou, apprends-moi le Mandiak, par son représentant, M. René Ucas Gomis, a présenté aux participants du salon les objectifs de l'association et leur présence dans les réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre d'intéressés à travers le monde. Donc, dans ma présentation, nous allons voir trois points. Donc, déjà, une petite présentation sur la langue Mandiakou. Ensuite, je vais vous faire une présentation du groupe Djoukani Mandiakou. Ensuite, un bilan sommaire de 2 ans d'existence. Nous avons tout juste 2 ans d'existence. Et vous allez voir que les réseaux sociaux, s'ils sont très bien utilisés, on peut impulser un changement profond même. La langue Mandiakou, qui sont les Mandiak, c'est quoi la langue Mandiakou? Et vous avez vu ici, ce sont nos braves mamans. On peut trouver des Mandiak au Sénégal, en Gambie et partout dans le monde. Ils sont assez nombreux, donc le profil est très très varié. Alors, les membres, on a fait un sondage pour voir un peu tous les membres de ce groupe. Donc, ils sont beaucoup partout dans le monde et j'ai été surpris de voir, même en Azerbaïdjan, il y avait des membres de ce groupe qui y résident. Et bien le Sénégal est le pays le plus représenté avec plus de 9000 adhérents. Je vais vous donner tout à l'heure les chiffres. Plus de 9000 adhérents, le Sénégal est le pays le plus représenté dans ce groupe. Le niveau des listes des membres, on a 3 groupes. On a le niveau des experts, ceux qui comprennent par et écrire la langue. Ceux qui comprennent par et écrire la langue. C'est le niveau, c'est le groupe des experts. Ensuite, on a le groupe Médo, où c'est parfois quelqu'un qui comprend, qui ne peut pas écrire, mais qui ne peut pas, qui comprend et qui parle et qui ne peut pas écrire, mais qui n'a pas les droits caractéristiques, c'est-à-dire comprendre, parler et écrire. C'est le Médo. Ensuite, on a les novices, ceux qui ont plus des notions, mais qui ne comprennent ni ne parlent ni n'écrivent. C'est eux les novices. Donc, ce sont ces 3 types de membres que vous allez voir dans les différentes thématiques que nous utilisons. Alors, qui peut adhérer? C'est toute personne se reconnaissant dans les objectifs du groupe, que tu sois en mangeur ou non. Mais si tu es intéressé, si tu es intéressé dans la langue et la culture mangeur, tu peux adhérer à ce groupe. Maintenant, place à la conférence sur le thème
plaidoyer pour la diversité linguistique et culturelle, moteur de paix, de concorde et de développement durable en Afrique. Je n'apporte pas un savoir nouveau. Je sais que cette conférence a été très attendue. Peut-être que je risque de décevoir parce que les choses que je vous apporte ne sont rien d'autre que ce que vous et nous savons déjà. Je viens juste rappeler, comme je l'ai dit, les choses que vous savez déjà. Je viens nous encourager sur les bonnes pratiques que nous faisons déjà et je viens également nous mettre en garde contre nos dérives. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous verrez que dans tout cela, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Je vais vous parler donc de notre quotidien. Le thème, c'est le plaidoyer pour la diversité linguistique et culturelle, moteur de paix, de concorde et de développement durable en Afrique. Un thème très vaste. Un thème très vaste. Vous pouvez même voir ça. Mais qui est très intéressant dans la mesure où c'est l'un des thèmes de débat les plus en vogue aujourd'hui dans le monde des idées. Le thème de la diversité linguistique et culturelle. Et pourquoi est-ce que c'est un thème brûlant? C'est pas pour ce qu'elle est en tant que telle, la diversité linguistique et culturelle, mais pour ce qu'elle représente pour la survie des sociétés que nous formons. Lorsqu'on associe la diversité linguistique et culturelle à la paix, à la concorde et au développement, c'est un choix. C'est un choix. Il faut voir que isoler, ça ne signifie rien. Lorsque nous l'isolons, ça ne signifie rien. Vous allez acheter votre comprimé de gnoquette à la pharmacie. Vous dites, j'ai acheté un médicament. Mais justement, vous n'avez pas acheté un médicament. Vous avez juste acheté un comprimé. C'est l'usage que vous en ferez qui en fera alors soit un médicament, soit un poison. Si ce comprimé, ce paracétamol-là, si c'était un médicament, alors celui qui en prend 50 en un seul coup ne devrait pas souffrir. Vous voyez, mais c'est la posologie que nous appliquons à ce comprimé-là qui en fait soit un médicament apte à guérir nos maux, soit un poison qui tue notre âme. C'est la même chose pour la diversité linguistique et culturelle. Considérée d'une certaine manière, elle est moteur de paix, de concorde et de développement durable. Abordée sous un autre plan, elle peut être un motif de guerre très rapidement et voilà, chambouler nos sociétés. La raison pour laquelle ce thème est important également, la raison pour laquelle nous accordons une telle attitude à la diversité linguistique et culturelle, on peut l'évoquer et chacun même peut trouver les raisons, quel que soit le domaine dans lequel il évolue. Puisqu'on est dans la ville de Medina Bay, je vais alors faire le choix de démontrer ça à travers un verset coranique tiré de la sourate 49, le verset 13. Dieu dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le verset ne s'arrête pas là, ça continue. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Mais j'ai préféré m'arrêter à cette séquence-là. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des tribus. D'une langue adamique, la première langue, si nous nous référons en tout cas à la pluralité linguistique comme étant trouvant son origine la prophétie biblique de la tour de Babel. De cette langue adamique-là, d'autres langues sont nées. De la
communauté unique que nous étions, d'autres communautés sont nées, des Serer, des Peul, des Wolof, des Mandiak, etc., etc. D'autres communautés sont nées sur la base de nos confessions, des musulmans, des chrétiens, des juifs, etc. D'autres sur la base de la race, des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes, etc. Donc voilà les nations et les tribus dont le Coran fait référence dans cette citation-là. Étant donné que la langue est une partie intégrante de la culture, il s'agit dans ce thème de montrer les attitudes individuelles et collectives qui feraient que la diversité des cultures soit favorable à la culture de la paix, sans laquelle aucun projet de développement ne pourrait réussir. Diversité linguistique et culturelle, on peut résumer ça en disant juste la diversité culturelle. La langue est un aspect de la culture. Si nous retournons au développement, à la définition philosophique du mot culture par rapport à la nature. Mais qu'est-ce que la diversité culturelle réellement? Ça paraît simple. C'est nécessaire de le savoir avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur ce thème. Il s'agit donc de porter un regard sur la diversité culturelle qui mesure ou qui assure la concorde et non la division, comme je l'ai dit, par rapport aux médicaments. Il s'agit de prendre une dose qui guérit et qui ne tue pas. Donc, de porter un regard sur la diversité culturelle, un regard qui assure la concorde et non la division, tout en gardant à l'esprit les mots de saint Thomas d'Aquin qui disait que la concorde ne naît pas de l'identité des idées, mais de l'identité des volontés. Ce n'est pas ce que nous pensons réellement qui est déterminant. Combien de personnes sommes-nous dans cette salle? Nous pensons différemment. On essaie pourtant de converger vers une pensée collective, mais quelle que soit l'approche que nous prenons, nos pensées seront toujours différentes. Mais en étant différent dans cette pensée-là, qu'est-ce qui est important? C'est l'unité autour de l'action. Tous ceux qui sont dans cette salle-là sont mus par le désir de protéger la diversité linguistique. Et ce sont les actes que nous poserons qui sont déterminants et non les idées que nous apportons. Donc, la conférence que j'ai commencée et que je vais poursuivre n'aura aucun sens si son contenu devait rester une idée, ça serait dénué de tout sens. Il faudrait qu'au sortir, qu'on arrive à l'implémenter, à passer de l'expression de la politique à l'aménagement des idées. On parle d'aménagement linguistique, je parle d'aménagement des idées pour que nos idées puissent prendre forme et puissent servir la communauté. Oui, ce salon est un cadre d'apprentissage, c'est un cadre d'enseignement-apprentissage. C'est vrai, c'est enseigner autrement, apprendre autrement. Et ce sont là deux exigences du système LMD dans lequel nous naviguons en ce moment dans notre système éducatif. Une rencontre comme cela, nous trouvons que c'est un bon cadre d'apprentissage pour les étudiants qui doivent venir participer au débat, approfondir leurs connaissances, rencontrer les spécialistes qui sont mus par les mêmes intérêts qu'eux, mais également échanger, contribuer par tout ce que nous avons vu lors de ce débat-là. Nous pouvions venir avec une délégation plus importante, mais les moyens faisant défaut, alors là, nous avons choisi 24 parmi nos étudiants les plus brillants, choisis entre la fin du cycle licence et la fin du cycle master. Ce sont des étudiants qui sont très au courant de la problématique que nous avons débattue pendant ces deux jours-là. Ce sont des spécialistes du Wolof, des spécialistes du Poular, mais également des gens qui s'intéressent pour s'ouvrir au monde à la question de la diversité linguistique, mais également de l'identité d'une façon générale, car tout ce que nous avons dit sur la diversité tourne également autour de l'identité. On a eu une petite discussion hier dans mes cours à l'université.
je n'hésite pas à parler Wolof ou à parler Serer ou à épuiser mes exemples dans n'importe quelle langue aux alentours, en Diola, en Mandingue, etc., etc., pour illustrer l'une ou l'autre chose. Nos étudiants font également les cours de compréhension en Wolof en Poular, le cours de grammaire en Wolof en Poular, etc., etc. Mais lorsqu'on communique, on fait des choix linguistiques qui sont libres, qui sont motivés également par certains facteurs intrinsèques, d'autres facteurs extrinsèques, et parfois le caractère inclusif qu'on veut donner à sa communication peut justement vous guider vers une langue, non pas vers une autre, sans pour autant que ce choix-là ne signifie une quelconque considération haute que vous avez pour une langue et une autre considération basse que vous aurez pour une autre langue. Je serais très heureux d'animer une conférence 100% en Serer ou une conférence 100% en Wolof, quel que soit le thème dans lequel on me met, je suis capable de le faire. Mais je n'ai pas fait ma conférence en Serer, j'aurais pu le faire, deux ou trois personnes seulement comprendraient ce que j'ai dit. S'il est possible que Arif fasse un slam dans une langue que nous ne connaissons pas et qu'il arrive quand même à toucher nos âmes, si je parle dans une langue que vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas, et je passerai alors à côté de mon objectif, car mon objectif dans cette communication-là, c'est d'être compris de tous. Sur le thème plaidoyer pour la diversité linguistique et culturelle, moteur de paix, de concorde et de développement durable en Afrique, animé par le professeur enseignant Ibrahima Sarr, chercheur, maître de conférence à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, chef de la section langues et cultures africaines, représentant permanent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à la cellule interministérielle chargée de l'éducation de base des jeunes et des adultes, professeur associé enseignant concepteur de cours à l'UVS, professeur associé à l'Université de Kansas aux États-Unis, a suscité beaucoup de questionnements à l'auditoire, un débat intellectuel de très haute facture s'en est suivi au bonheur de tous les participants. Je tiens à remercier notre professeur Ibrahima Sarr qui nous a amenés à ce salon. C'était premièrement fructif. Deuxièmement, je pense que ça nous a permis de mettre en valeur, de mettre en œuvre ce qu'on a appris en classe. Donc de mettre en pratique les théories qu'on a pu faire en classe. Donc c'était un salon très, vraiment réussi et vraiment fructif en connaissances, en humanité et tout cela. Donc c'est un moment de plaidoyer, le salon, surtout dans cette deuxième édition-là. Donc toutes les activités concordent à ce que cela soit un plaidoyer. Donc c'est un plaidoyer permanent pendant les 72 heures donc, du salon. Un plaidoyer envers qui? Donc envers les décideurs, les autorités. Un plaidoyer envers qui? Envers les populations, donc envers les citoyens, donc qui comprennent leur position de citoyen et qui continue en fait de réclamer donc le droit dans cette société là et le droit fondamental aujourd'hui c'est que qu'on prenne en compte donc et qu'on valorise ce patrimoine donc immatériel qui est là et à travers donc les langues et introduire les langues dans le système scolaire. Certes le gouvernement est en train de faire un travail assez appréciable, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, on a vu que c'est l'USAID, en fait, pour ne pas les citer, donc, qui appuie le gouvernement dans un projet pilote à introduire les langues dans le système scolaire. Mais nous voulons que ça soit globalisé, nous voulons que ça soit effectif. Et nous ne voulons pas que ça soit simplement un projet, voilà, donc, qui sera... nous ne voulons pas que ça soit un saupoudrage, voilà, que ça soit une réalité. Et c'est pourquoi c'est un plaidoyer. Et après nos travaux, donc, un rapport global va sortir. Et ce rapport-là donc, sera adressé à qui de droit? Donc nos autorités, les décideurs, les partenaires institutionnels et financiers, les partenaires stratégiques, pour qu'ils puissent intégrer donc, les recommandations de ce salon. Lors de la première édition aussi, nous avons fait des recommandations. Nous avons travaillé avec l'UCAT et à la fin, nous avons fait des recommandations. Voilà. Donc chaque fois que le salon se tienne, donc, à la fin, il y aura un rapport et des recommandations donc, qui sont adressées aux partenaires et à qui de droit. La protection de la diversité linguistique et culturelle, la promotion des langues et cultures sénégalaises et d'Afrique, nous plaçons l'africanité au cœur de notre action.
Donc, à partir de ce moment, dès que nous avons pris contact avec Karel Dian, je lui ai dit, mais Karel, tiens, est-ce qu'il est possible que ce salon soit organisé à Saint-Louis l'année prochaine pour sa troisième édition? Il m'a dit, mais pourquoi pas, c'est un salon itinérant. Donc là, nous sommes en train de discuter pour voir justement quelles seraient les modalités si nous devions les modalités de notre collaboration si nous devions organiser ce salon-là à Saint-Louis. Elle est très importante parce que Saint-Louis est une ville carrefour. C'est une ville où la diversité linguistique et culturelle trouve son expression la plus éloquente et que nos autorités universitaires là-bas également sont très sensibilisées sur la question et en ont fait un cheval de bataille. Donc nous pensons que nous aurons l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir tenir la troisième édition de ce salon à Saint-Louis. L'enjeu est très grand et nous comptons justement relever le défi. Papi pivana no mundo pio chapo na meta.